Regardez, là, sur la graisse, ça flambe, ça flambe. Faut éteindre ce feu. Regarde, les images satellites. Eh oh, pas de panique, on se calme. Ces incendies datent de fin août 2007, c'est fini. Depuis ces 10 dernières années, c'est le moment où la Grèce a été ravagée par les feux de forêt les plus destructeurs et meurtriers de son histoire. Le Péloponnèse a été l'une des régions les plus affectées. Et à la demande du département des urgences de la protection civile grecque, la charte internationale Espace et catastrophes majeures est activée le 29 août afin d'aider les secours. Oui, et la charte internationale est un système unifié de mise à disposition des données satellites de toutes les agences spatiales dans les cas de catastrophes d'origine naturelle ou humaine. Chaque agence membre est engagée à offrir ses données. Regarde, j'ai toutes les informations en mémoire. C'est pas possible! Un ours! J'ai vu un ours! Hein? Quoi? Oh. Ah! Le voilà! Je l'ai trouvé! J'avais raison! Là, dans les Pyrénées, un ours! Il s'est perdu, le pauvre! Attends. À la fin de l'année 2006, afin de réintroduire l'ours brun dans les Pyrénées, les autorités françaises ont décidé de faire venir de Slovénie pour qu'il se reproduise 4 femelles et un mâle et de les lâcher dans les Pyrénées. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage a décidé de les équiper de colliers émetteurs utilisant le fameux système spatial GPS pour observer leur intégration dans leur environnement. Oui. Il faut savoir qu'au printemps, en période de rut, quand ses sens se réveillent, l'ours mâle exécute de très grands déplacements. Il peut parcourir un territoire de plus de 500 km². Quant aux femelles, leur domaine vital est plus réduit. Il couvre environ 100 km². Eh, hey, dis donc, sur la sexualité des ours, il en connaît un rayon. Moquez-vous. Mais faut dire que cette opération a été un succès d'un point de vue technique et biologique. Les ours se sont bien adaptés à leur nouvel environnement et les Pyrénées constituent un habitat favorable pour le maintien de l'ours brun. Hein? Hein? Oh, oh ben... Hein? Quoi? Quoi? Vous avez vu? Hop, hop, allez, allez, pousse-toi. Allez. Oh. Une seconde. C'est la course de bateau, la course des bateaux du Vendée Globe. Grâce à la transmission d'images par satellite, tu peux en un clin d'œil avec une extrême précision connaître la position des concurrents. Et aussi la localisation des icebergs qui peuvent être dangereux pour les bateaux. Question de sécurité. À ce propos, pendant la course 2008-2009, les organisateurs ont décidé, à la vue des images satellites, de dévier les parcours pour éviter les risques. C'est plus de la compétition alors. Ça n'a plus d'intérêt. Avec toute cette technologie embarquée, ces écrans, ces informations que nous envoient les satellites, même un enfant pourrait piloter un bateau. Ça devient trop facile. Facile, pas tant que ça. C'est beaucoup de travail, hein. Hisser les voiles, manœuvrer, avoir l'œil sur tout, même regarder toutes les informations. Oh! Wow! C'est joli! C'est joli, ces images. On peut voir les mouvements des courants marins qui circulent dans les océans,
L'Inde se réchauffe et se refroidit, et se réchauffe et se refroidit au cours de son trajet dans les continents. C'est le Gulf Stream. D'accord, c'est très bien. Mais ces courants, on les connaît depuis longtemps. Au XVIIIe siècle, un certain Benjamin Franklin, grand scientifique, qui lors de ses expéditions en mer, a découvert le fameux courant dont tu parlais à l'instant. J'ai trouvé une carte ancienne. Je vais vous la montrer. Ah, la voilà. Regardez. Fais voir. Oh, c'est vieux. Oui, ça date. Et au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de satellite. Incroyable. Ah, c'est sûr. C'était un grand scientifique. Mais l'avantage avec ces satellites et toutes leurs images, c'est de pouvoir recevoir beaucoup d'informations en direct, notamment l'évolution des courants, les températures de la surface de la mer, la profondeur et la direction des vagues. Ah oui, et aussi, grâce aux images satellites, on peut avoir des informations d'une incroyable précision. Ces informations peuvent être stockées dans des fichiers informatiques. Elles servent de référence en cas de destruction d'un patrimoine culturel pour reconstruire à l'identique. Et ce n'est pas tout. Tenez, moi qui suis jardinier, les satellites, on en a vraiment besoin au quotidien. Tenez, par exemple, en Europe, depuis les années 90, avec la PAC, la politique agricole commune, l'Europe attribue aux agriculteurs des aides financières. Les images satellites permettent de contrôler les surfaces et les subventions sont attribuées en fonction de la taille des terrains. On contrôle aussi les espèces cultivées. Oui, avec les satellites, on peut voir ce qui est cultivé dans telle ou telle parcelle, du blé ou du maïs. Comment ? Grâce au satellite Spot, nous obtenons des informations invisibles à l'œil nu, avec les images infrarouges et en fonction du rayonnement émis par les plantes. Car chaque végétal émet un rayonnement bien spécifique. Il est possible de savoir quel type de plante pousse sur chaque parcelle. Et ça, avec les satellites. Bon, les garçons, c'est intéressant, mais ça m'a donné soif tout ça. Si on allait boire un verre, allez. Allez, allez, allez. Hop là.